Boutex, concessionnaire Seat, fournisseur officiel de l'Olympique Lyonnais, vous présente OL Info. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'OL Info. Dans l'actualité de ce jeudi, la Ligue des Champions, l'exploit des Lyonnais face au Bayern continue de faire couler beaucoup d'encre. Beckenbauer, lui, pique sa colère. La page Coupe de France avec Fontenay qui attend les Lyonnais. Mais en cette journée de la femme, il était tout à fait normal que ce soit Christelle Damé qui ouvre cette édition avec les dernières infos du côté de Tola Vologe. Pour les joueurs de l'OL, l'heure est à la récupération. Deux jours après leur superbe victoire face au Bayern, les hommes de Jacques Santini retrouvent la Coupe de France. Ils affronteront dans 48 heures Fontenay-le-Comte dans le cadre des huitièmes de finale. La préparation d'aujourd'hui a été écourtée à une demi-heure suite au mauvais temps. L'occasion pour les Lyonnais de mieux récupérer et surtout de descendre de leur nuage. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, malgré le temps, on a un peu tendance à être à l'euphorie. On a encore les images plein la tête et c'est vrai que disputer un tel match et après se replonger dans un match à Fontenay, c'est pas évident. Mais je pense qu'on a su bien le faire cette année et j'espère que ce sera encore le cas après-demain. Là, pour l'instant, on est encore sous l'euphorie du match, c'est vrai. Mais bon, petit à petit, il faudra se mettre dans la tête c'est un match vraiment très très important. Donc peut-être aussi important que le match du Bayern. Donc la motivation, elle y est de toute façon. Alors il ne faudra pas arriver en seigneur et se dire qu'il faudra se donner à fond pendant 90 minutes. Passer du Bayern de Munich à Fontenay-le-Comte, une équipe qui évolue en CFA mais qui, rappelons-le, a éliminé Sedan au tour précédent, est un exercice qui demande une certaine motivation et surtout beaucoup de concentration. Ces équipes-là, généralement en coupe, on connaît l'esprit de la coupe, c'est des équipes qui profitent de n'importe quelle occasion, donc justement on est prévenu et nous je crois qu'on est assez fort dans le groupe pour tenir bien le bateau en place. On était outsider avant le match du Bayern, là on est grand favori, donc ça va être complètement différent. Mais la Coupe de France est une compétition importante pour l'OL, donc on va la jouer à fond. Et surtout, respecter nos adversaires, ce sera certainement la meilleure manière de gagner le match. C'est des challenges excitants, hein. C'est vrai qu'on joue un quart de finale de la Coupe de France pour une place en quart de finale, donc c'est pas à négliger, c'est sur un match, donc c'est un adversaire direct. Donc c'est des matchs à coup près, des matchs en jeu, et c'est vrai que pour la motivation c'est essentiel. Il leur faudra donc être vigilant. Jacques Santini a prévu le coup et histoire de bien se concentrer, l'entraînement de demain sera à huis clos à 15h30. Allez, on s'amusait bien à l'entraînement cet après-midi. Demain d'ailleurs, retour d'Edmilson qui n'avait pas joué avec le Brésil samedi contre les USA. Hier soir, il était titulaire au sein de la défense brésilienne. Il a joué toute la rencontre, score final 3-3 contre le Mexique. Alors difficile de revenir sur terre après le concert de louanges qui s'est abattu sur les Lyonnais ces deux derniers jours. L'OL à la une de la presse locale, nationale, voire même internationale. Télé, radio, quotidien se sont emparés de l'événement. Grand plaisir de traiter d'un match aussi plein, aussi réussi. C'est un plaisir aussi de traiter l'OL à un moment où il dispute un match qui peut le faire rentrer un peu dans les cœurs en France. C'est-à-dire que jusque-là, on ne peut pas dire que Lyon était une équipe très populaire. Les derniers sondages d'ailleurs du journal de dimanche l'avaient bien indiqué. Mais c'est un match vraiment qui peut faire basculer Lyon dans une dimension un peu différente, notamment au niveau populaire, au niveau médiatique. Et c'était vraiment une soirée particulière, une soirée réussie. Bon, maintenant, le seul souhait, je pense que tout le monde est, notamment les médias. Je sais que les supporters lyonnais s'estiment un peu mal aimés des médias, mais l'intérêt objectif des médias, c'est vraiment que Lyon aille le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que cette magnifique victoire ne soit pas inutile, qu'elle soit suivie d'une qualification dans 8 jours à Moscou. On a titré l'OL CG1 parce que c'est vrai que c'était un des plus beaux matchs, je pense, de l'histoire européenne contemporaine du club, hein, c'est clair. Et puis, contemporaine et puis même sur l'ensemble de son parcours européen depuis 1950. Hein, on a rarement vu une équipe de Lyon aussi conquérante, sachant que l'adversaire était le Bayern de Munich. Hein, c'était quand même pas rien, quoi. Il faut rappeler que l'Olympique Lyonnais est issu du troisième tour préliminaire. C'est un peu un parcours comme l'a réalisé le FC Valence la saison dernière, qui était arrivé en finale, mais c'était effectivement un bel exploit. Surtout que Lyon découvre le très très haut niveau.
Et donc une première participation en quart de finale, ça serait déjà pas mal. Ouais. Je crois qu'on peut parler de match référence, parce que c'est vrai que l'Olympique Lyonnais est une grande équipe, mais il manquait peut-être un match référence, contrairement au Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Reims, Bastia, dans des temps un petit peu plus reculés. Et là, je pense que les joueurs lyonnais vont s'attirer beaucoup de sympathie de la part du public français, parce que c'est vraiment un match qui, à mon avis, va rester comme les Paris Saint-Germain-Bayern, comme les Saint-Etienne-Kiev et autres Bastia-Eindhoven, hein, à mon avis. Mais je me suis même surpris par moments, non plus à être journaliste, mais à être supporter, puisque les 30 premières minutes, et notamment la première mi-temps, a été tout à fait exceptionnelle. On a beau se dire qu'il faut garder un petit peu de raison, mais ça a été tellement enthousiasmant que c'est difficile de ne pas apprécier très fortement. Ce qui est extraordinaire avec cette équipe, et pour tous les gens de la presse qui la suivent, c'est qu'à chaque fois on leur dit c'est la dernière chance contre Bordeaux pour le titre, c'est la dernière chance à Arsenal, c'est la dernière chance... Face au Bayern, et puis finalement à chaque fois c'est pas la dernière chance, parce qu'ils gagnent. Alors finalement, ce que je disais à Christophe Delmotte hier, on se demande si l'année du cinquantenaire ils vont pas nous gagner les quatre tableaux. Ça serait quand même extraordinaire. Bon, sans rêver, c'est vrai qu'on peut penser raisonnablement que face à un Spartak qui est pratiquement éliminé, enfin qui est éliminé même d'ailleurs au niveau des points, ça sera possible. Il suffirait que les Russes jouent un petit peu moins bien, et puis que les Lyonnais soient au top comme hier soir. Tout est possible, ils vont pas gagner les quatre compétitions, hein. Ou alors là c'est... Là, on va tous à Fourvière, les deux pieds attachés, et reculons, en courant. Et... Non, il faut être sérieux. Mais je pense qu'effectivement, ils vont sans doute gagner quelque chose. C'est sûr. Voilà, le pari est pris avec Christian Lagnier du Progrès pour aller à Fourvière, pieds attachés et à reculons. Allez, du côté de la presse, c'est beaucoup plus sérieusement maintenant. On évoquait une soirée de cauchemar. Franz Beckenbauer, le président du Bayern, n'a d'ailleurs pas ménagé ses joueurs. Je cite, « Ils ont été ridicules, c'est une honte, une catastrophe sur toute la ligne. » Et pourtant, 24 heures plus tôt, Kaiser Franz était tout sourire lors du dîner officiel chez Paul Bocuse. C'était donc lundi soir. Sans doute Beckenbauer, hein, loin d'imaginer que son club s'inclinerait 3-0 à Lyon. Beckenbauer, qui d'ailleurs, lorsqu'il était joueur, avait connu pareille mésaventure sur le sol français en perdant 3-0 à Saint-Etienne lors de la saison 69-70. C'était en 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Tenez, écoutez ces petits mots volés par le micro indiscret de Fred Adam lors de ce dîner officiel. C'est le symbole, en fait, du travail à Lyon, de l'amitié. Symbole pour Arbeit, aber auch für Freundschaft. Et puis aussi de la longévité, parce que ça fait un moment qu'on parle de lui et je crois qu'on en parlera encore très longtemps. On espère que ça sera de même pour ce match Bayern-Lyon-Bayern. Und auch ein Symbol der Langlebigkeit. Merci. Franz. T'inquiète. Parce que lui, il ne se souviendra pas qu'il a fait une photo avec moi, et moi, je me souviendrai demain de la photo. Quand même. Nos deux équipes se qualifient pour le prochain tour. Merci. Voilà, que ce soit Bocuse ou le match, Beckenbauer à coup sûr se rappellera de son passage à Lyon. Alors l'après Ligue des Champions, les Lyonnais depuis le début de saison ont toujours su négocier leur retour sur la scène nationale. Les lendemains européens ne sont donc plus douloureux pour l'Olympique Lyonnais. Ça aussi c'est une nouveauté. Régis Guy. 4 victoires, 5 nuls, une défaite après les matchs de Ligue des Champions. Le bilan est loin d'être mauvais. La preuve que l'OL arrive à se remobiliser sur le quotidien après avoir tutoyé l'exceptionnel. La seule défaite arrive, c'est intéressant à noter, après une autre défaite sur le terrain de l'Olympiakos. Les Lyonnais avaient été battus à Gerland par Guingamp. Mais c'était au tout début de leur parcours en Ligue des Champions et visiblement le groupe lyonnais apprend vite. Car même après les deux défaites contre Valence, l'OL a su rebondir, nul à Marseille et nul à Bordeaux, et les deux fois à 10 contre 11. La seule petite contre-performance, c'est ce nul concédé à domicile face à Auxerre après la victoire obtenue sur la pelouse des Rennes-Venn. Le résultat, quand même le plus symbolique des ambitions du club, c'est cette victoire obtenue sans discussion possible sur le terrain d'Amiens en Coupe de la Ligue. Une victoire 2-0 qui survenait juste après le déplacement et le nul à Arsenal. Un tel résultat samedi à Niort contre Fontenay-le-Comte prouverait que l'OL réussit chaque jour davantage à assumer ses ambitions. Et on ouvre donc la page Coupe de France avec l'OL très attendu samedi par ce club de Fontenay qui piaffe d'impatience, que ce soit d'ailleurs les grands comme les petits, de notre envoyé spécial en Vendée, Vincent Digat. Ils ont 13 ans et ont pour habitude de soutenir leurs aînés du Fontenay Foot Vendée. Mais le 10 mars, ces jeunes pousses entreront sur le terrain aux côtés des Lyonnais. Ramasseurs de balles pour ces 8e de finale de la Coupe de France, les jeunes fontenaisiens sont pleins d'admiration pour ces grands joueurs qu'ils ne connaissent que par le biais du petit écran.
quel est ton joueur préféré à l'Olympique Lyonnais? Donc Grégory Coupé. Et pourquoi? Parce qu'il fait de bons arrêts, il est bon, il a une bonne défense, il a tout pour avoir une belle équipe, donc c'est pour ça que c'est mon joueur préféré. Sonny Anderson, il est très fort tactiquement, il a beaucoup de vitesse, puis il marque beaucoup de buts, et il est très adroit devant le but. C'est un bon buteur, il marque beaucoup de buts, des beaux buts. Quelle qualité il a en fait? Beaucoup de technique, beaucoup de vitesse, puis voilà quoi, il marque beaucoup de buts. Edmilson. Et pourquoi? Ouais, c'est un bon défenseur et un bon buteur. Comme contre Lyon-Arsenal, il a marqué un beau but. Mon joueur préféré, c'est Vikash Dorasso, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Il est très rapide, il a un beau jeu technique et je trouve que c'est un bon joueur. Il distribue bien le jeu, puis face au but, il est lucide. Puis bon, c'est un bon buteur. Ça te fait peur qu'il vienne jouer contre Fontenay? Ben un peu, parce que bon, Lyon, c'est quand même une grande équipe. Anderson. Et pourquoi? Ben parce que je trouve que c'est le plus connu. C'est clair, net et précis, les ramasseurs de balles de Fontenay de la Coupe de France. Il en sera question demain soir dans Olafo à 20h45. Merci de votre fidélité, à demain. Boutex, concessionnaire Seat, Lyon 9e et Vaux-en-Velin, fournisseur officiel de l'Olympique Lyonnais, vous a présenté OL Info.